Vous êtes chef d'entreprise. Que vous vendiez des produits ou des services à des professionnels ou des particuliers, vous devez produire une facture. Cela peut paraître très formaliste, mais la facture est à la fois un mode de preuve de la vente ou de la prestation, mais aussi un document comptable indispensable pour la bonne gestion de votre entreprise. Que devez-vous savoir sur les factures ? Tout d'abord, une facture doit être émise en double exemplaire, une pour vous et une pour votre client. Ensuite, elle doit contenir certaines mentions obligatoires. Premièrement, les noms et adresses des parties, ainsi que l'adresse de livraison, car elle peut être différente de celle de votre client. Si vous êtes une société, sachez que votre facture doit comporter 4 éléments. 1. La dénomination sociale. 2. Le numéro d'identification. 3. Le RCS. 4. L'adresse du siège de votre société. Pour les entreprises en liquidation, n'oubliez pas de le mentionner. Si votre activité nécessite une assurance professionnelle obligatoire, vous devrez mentionner l'assurance souscrite, les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique du contrat. Deuxième mention obligatoire de vos factures, la date de la vente ou de la prestation de service. La date d'édition de la facture ainsi que son numéro doivent apparaître. Ce numéro est unique et doit être basé sur une suite chronologique. Troisièmement, la quantité et la dénomination précise des produits vendus ou de la prestation réalisée. La quantité s'entend soit en unité du produit ou du service, soit en poids, soit en volume ou encore en taux horaire. Vous devez être précis dans votre libellé. Par exemple, si vous vendez 10 sacs, vous devez indiquer sur la facture le nombre, la marque, la matière et les caractéristiques du produit. Quatrièmement, le prix unitaire hors TVA ainsi que le taux de TVA applicable pour chaque produit ou prestation si cela n'est pas le même taux de TVA qui s'applique. Indiquez aussi la somme totale à payer hors taxe et toute taxe comprise. Cinquièmement, la réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation si vous faites bénéficier votre client d'une remise, mais aussi la majoration éventuelle du prix pour des frais de transport ou d'emballage. N'oubliez pas non plus de préciser les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure ainsi que la date précise avant laquelle le règlement doit intervenir. Si votre facture est adressée à un professionnel, vous devez préciser le taux des pénalités de retard en cas de non-paiement ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement. Enfin, il est essentiel que la facture soit remise le jour de la réalisation de la vente ou de la prestation, même si l'acheteur ne la réclame pas.